Bonjour et bienvenue sur Du cuir et des lames. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un couteau, de deux couteaux en fait. Un couteau allemand fait par l'entreprise Boker, qui fait des couteaux traditionnels depuis près de plus de 2 siècles, 250 ans je crois. Ce couteau, c'est le Gent. Alors, c'est un couteau qui est d'apparence traditionnelle, puisque voilà, on a un manche en ébène avec un clip de poche pointe vers le bas. C'est très très allemand ça, la pointe vers le bas. Donc voilà. L'acier utilisé, c'est un acier Damas, c'est-à-dire qu'il est constitué de 67 couches d'acier superposées puis travaillées. Donc ça lui donne une apparence très classieuse, très classe. Le manche en ébène est très agréable. C'est un couteau qui fait 8 cm 2 au niveau de la lame. Il fait, on va voir ça tout de suite. Il fait environ 19 cm et demi une fois ouvert. Et pourquoi je parlais de deux couteaux en fait? Parce que il y a le Gent 2. Alors celui-ci, je l'ai offert à ma compagne. C'est exactement le même. Bon, on voit que le Damas a été un peu patiné par une utilisation quotidienne intensive. Elle a enlevé le clip de poche puisqu'elle l'utilise surtout à table. Comme on peut voir, c'est un peu sale. D'ailleurs, il faudrait que je le nettoie. Blocage par la inner lock, comme son grand frère. L'ouverture est assez souple, hein, assez fluide. Ce sont des rondelles en téflon qui sont utilisées pour le pivot. Donc voilà, deux couteaux. Le 2 est beaucoup plus petit, hein, il fait 16 cm et demi ouvert. La lame fait 6 cm 7. Donc voilà. En épaisseur, nous avons 2 mm d'épaisseur, donc c'est vraiment un couteau qui est destiné à un usage, je dirais, traditionnel, hein, 2 mm 1, oui, pour l'épaisseur de lame. La hauteur de lame, on est à 2 cm pour le Gent et 1,8 cm pour le Gent 2. Donc voilà, deux couteaux traditionnels, quoi, de forme traditionnelle, de conception traditionnelle, avec une ouverture par Tom Studd qui facilite donc son ouverture. Vous avez vu, hein, il jaillit en reverse flip. Donc il est très agréable en main, puisque son manche avec ce petit. La tête du manche est très agréable au niveau de la main. Les doigts se placent tout seuls. Pas de rainures sur la lame. Hein. C'est vraiment le couteau à usage, je dirais, domestique. Très agréable. L'ébène, bon, voilà, c'est du bois d'ébène, donc un bois peu altérable. Très agréable au toucher. C'est un couteau sur lequel j'ai un peu flashé sur la lame. Je préfère d'ailleurs le dessin du Damas du 2. Voilà. Comme on peut voir si mon appareil, voilà, peut faire le focus. Il est beaucoup plus joli que le Gent, qui lui, on voit bien que c'est. On voit bien les couches, hein, d'acier. C'est très joli aussi, c'est très agréable. Deux couteaux qui ne sont pas très chers. Le Gent, celui-ci, peut se trouver aux alentours de 68 euros. Le petit est plus cher, étonnamment, aux alentours de 70-75 euros. Que dire de plus, sinon que ce sont deux couteaux très agréables à utiliser. Surtout dans un usage domestique, hein, comme je disais, je l'utilise surtout à table, parce que ça, c'est la forme de lame qui s'y prête, hein, drop point, voilà, c'est la finesse de la lame, le tranchant qui n'y a rien à redire, hein, les couteaux Boker sont réputés pour leur qualité de fabrication. Je vous avais présenté, quoi, j'ai parlé
déjà de certains couteaux de chez eux, le LRF carbone par exemple, le grip lock avec un système de blocage, quoi, d'ouverture, un mécanisme assez complexe. Je vous le présenterai certainement très bientôt. Bref, Boker est une maison allemande réputée, internationalement reconnue pour la qualité de ses produits. Ces couteaux-là sont l'expression d'une tradition. Voilà. Ils font des couteaux beaucoup plus haut de gamme, dans des aciers beaucoup plus recherchés. Dernièrement, ils ont sorti deux couteaux, un couteau dont l'acier a été récupéré sur une épave de bateau. Qui a un peu plus d'un siècle, et bon, bref, très 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 beau travail de Damas sur la lame. Un autre couteau, l'acier a été récupéré sur les chars Panther allemands, donc de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est une entreprise qui fait des couteaux de qualité dans des aciers très convenables. Du VG10, du M390, bref, il y en a pour tous les goûts. Je mettrai certainement un lien pour que vous retrouviez la maison Boker. Voilà ce que j'avais à dire à vous pour vous présenter ces deux petits couteaux. Quoi, ces deux petits couteaux? Ce petit couteau et son grand frère. Des couteaux qui... Comment dire qui sont très agréables à utiliser, donc par conséquent, que l'on ne va pas laisser voilà, dans une vitrine. Ce sont vraiment des couteaux d'usage, même si le mien, je l'utilise peu pour différentes raisons. J'ai une trentaine de couteaux, donc voilà. Mais ce sont des couteaux qui sont très, très agréables à utiliser. Je prépare un tutoriel cuir. Je suis en train de réfléchir sur ce que je vais pouvoir faire. Peut-être une autre vidéo vous parlant d'accessoires EDC, donc d'emport quotidien utilitaire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je tiens à remercier la communauté Mastodon et le Fait Divers. Je mettrai les liens en description, qui m'ont permis d'obtenir une nouvelle configuration PC qui va me faire gagner du temps, énormément de temps, sur l'encodage de la vidéo. Et donc, je tiens à les remercier publiquement et je vous invite à vous intéresser à Mastodon et aux Faits Divers, une communauté qui est en devenir et qui, j'espère, portera ses fruits. Je vous remercie de nouveau d'avoir regardé la vidéo. Je vous invite à revenir me voir, à visionner les autres vidéos, à vous abonner ici, me mettre un pouce bleu si vous avez aimé, voir mes autres vidéos, là ou là. Et je vous dis à très bientôt sur Du Cuir et des Lames. Au revoir.